Vous aurez compris que la grève du 6 novembre est maintenue. Vous reconnaissez notre collègue Marc-André Leclerc de l'émission La Joute. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Adi. Les syndicats ont qualifié les propositions d'insultantes, de dérisoires. Oui. Plusieurs ont été surtout surpris par la rapidité avec laquelle les syndicats ont balayé la dernière offre. Quelle est la stratégie, Marc-André, des syndicats actuellement? Bien, je pense que les syndicats ont eu des mandats importants auprès de leurs membres au cours des dernières semaines. Là. Fait que la réaction du Front commun aujourd'hui n'est vraiment pas surprenante. Là. C'est sûr qu'avec... Bien là, on voit que les calculs, là, même au niveau des pourcentages, que ce soit le gouvernement ou le Front commun, on utilise des chiffres différents, mais d'augmenter là, de 1 point ou 1,5 %, c'est sûr que ça n'allait pas satisfaire le Front commun. C'est sûr que ça n'allait pas également satisfaire la FIC. Donc, malheureusement, je crois là, que la résultante d'aujourd'hui fait en sorte qu'on se dirige là, vers une grève là, générale illimitée là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Là. Marc-André, c'est la quatrième offre de Québec depuis le début des négociations. Sonia Lebel estime qu'il incombe maintenant aux syndicats de faire des concessions. Comment le gouvernement devrait réagir à quelques jours du 6 novembre? Bien, là, présentement, on n'a comme pas le choix d'encaisser hein, cette journée-là, cette semaine-là. C'est une semaine où tout le monde s'organise. Là. Moi, comme parent, là, puis comme des milliers de parents, on a eu toutes les directives pour le 6. Là. L'école va commencer à 12h45, il va y avoir du transport scolaire en fin de journée. Fait que le gouvernement doit espérer, a dit présentement, que l'opinion publique change, parce qu'on sent que l'opinion publique est derrière les syndiqués, derrière les professeurs, derrière les infirmières, derrière les éducatrices. Fait que là, c'est difficile, ça, pour le gouvernement présentement, avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. Fait que le gouvernement doit espérer que la semaine de turbulence du 6 novembre fait en sorte que la population dise, bon, ben finalement accepté et que la grève se termine, qu'il n'y ait pas de grève générale, mais on sent que les mouvements et les syndiqués sont très mobilisés présentement. Fait que le syndicat n'a comme pas le choix d'attendre et de faire un peu, également de la pédagogie. Là. Madame Lebel, dans le reportage qu'on a vu, dit, bon, ben voici ce que ça représente pour une infirmière dans telle situation. Donc, le gouvernement n'a pas le choix de faire de l'éducation et de bien expliquer son offre là, à la population aussi. Marc-André, je veux également qu'on parle ce soir du Conseil national du Parti québécois qui s'est tenu en fin de semaine à Saint-Hyacinthe. À nouveau, la question de la souveraineté est revenue à l'ordre du jour. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à imposer une fois de plus cette question. Est-ce qu'il en ressort gagnant? Bien, clairement, il est le gagnant de la semaine, là, avec le budget de l'an 1, avec le Conseil national en fin de semaine. Ça lui permettait d'avoir une trame narrative et de bien prendre place là, et de vraiment conserver l'avance sur l'agenda politique, d'imposer son thème. C'est ça qui est important à dire en politique. Et là, de rejouer aujourd'hui sur les mots de M. Legault. Là. M. Legault, au lendemain du budget, de présentation du budget de l'an 1, a dit qu'il va y avoir des sacrifices. Maintenant, M. Saint-Pierre Plamondon demande c'est quoi les sacrifices? Fait que, on peut s'attendre que cette semaine, les médias, les journalistes qui sont sur la colline vont demander à M. Legault d'expliquer les sacrifices. Donc, c'est une façon de garder la roue qui tourne présentement et là, de garder le sujet. On voit que M. Legault, il est mal à l'aise. Hein? C'est un souverainiste dans l'âme. Même certains disaient que c'était un caribou. Il était parmi les plus pressés du Parti québécois. Et là, doit jouer un anti-rôle, celui de Capitaine Canada. Il est moins à l'aise. Fait que M. Saint-Pierre Plamondon trouve des moyens de garder l'histoire vivante. Là. Est-ce que François Legault pourrait perdre le soutien de certains de ses électeurs au courant de la semaine à venir? Bien, c'est sûr qu'il y a des nationalistes purs et durs à la CAQ. Là. Est-ce qu'ils vont être charmés, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont être... On voit quand même sur les médias sociaux, on voit des militants très engagés qui, là, ils revoient une certaine flamme là, avec M. Saint-Pierre Plamondon de penser que c'est possible d'aller, de faire en sorte que le Québec passe d'une province à un pays. C'est sûr que dans la CAQ, qui est une grande coalition hein, de fédéralistes, de souverainistes, de nationalistes, c'est sûr qu'il y a un électorat là qui peut être très réceptif là, aux appels de M. Saint-Pierre Plamondon. Là. Marc-André, en fin de semaine, s'il y a bien un enjeu qui a divisé les militants du PQ, c'est la question du financement des écoles privées. Est-ce que c'est une patate chaude pour le chef du PQ? Bien, clairement, entre les déclarations de M. Saint-Pierre Plamondon d'hier matin, également ce qu'on a étudié, voté aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que M. Saint-Pierre Plamondon aura un travail à faire important là, pour sa plateforme de 2026. M. Saint-Pierre Plamondon voulait un petit peu rompre hier avec la tradition du Parti québécois de mettre fin aux écoles privées. M. Saint-Pierre Plamondon dit qu'on peut avoir une approche un peu différente, mais clairement, il y a eu un long débat aujourd'hui, donc c'est sûr que ça suscite beaucoup de préoccupations et il devra se positionner parce que oui, c'est bien le travail des militants lors des conseils nationaux, lors des congrès, mais également, qu'est-ce qu'on va mettre dans la plateforme? Et c'est là que, comme chef, M. Saint-Pierre Plamondon devra également trancher. Hein. Oui, il parle de la souveraineté,
Mais également, il faut revenir aux enjeux qui sont très quotidiens, parce que pouvoir être élu en 2026, c'est pas juste de dire je vais faire un pays. Les gens s'attendent d'avoir de voir tes propositions en éducation, en santé, en transport, en environnement. Donc, c'est là aussi, c'est un équilibre. Hein? La politique, c'est toujours le jeu de l'équilibre. Et pour M. Saint-Pierre Plamondon, également, il le voit aujourd'hui que l'éducation également, c'est pas tout le monde dans son parti qui sont à la même place. Là. Très bien. Marc-André Leclerc, collègue de la Joute, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, au revoir.